Et salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur de la guêpe. Donc la cliente est partie en vacances et elle s'est aperçue malheureusement que eh bien, qu'elle a vu un truc un petit peu d'étrange. Regardez un petit peu les dégâts que peuvent faire les guêpes. Regardez ça, au sol. Alors ça, si vous voulez, ça c'est de la... C'est de l'isolant, c'est de la laine de verre. La laine propulsée, enfin ça reste de la laine de verre. Regardez au sol. Regardez tous les cadavres. Donc pourquoi elles viennent là? Tout simplement parce que elles sont. Regardez ça. Elles sont attirées par la lumière. Donc obligatoirement, ce qu'on va faire, hop, on va les laisser partir dehors. Voilà. Donc il y a un joli nid de guêpe qui se trouve ici. Regardez ça. Alors, il n'y a pas trop de lumière. Mais en fait, elles sont ici. Voilà. Regardez ça. Donc, à mon avis, il y a un joli nid là-dessous. Alors, j'essaie de mettre la lumière avec mon portable pour que vous puissiez bien voir. Regardez ça. Voilà. Donc ça c'est de la guêpe germanique. Donc un très très joli nid, hein, a priori. Voilà. Donc bien sûr, je vais mettre mon portable. Là je vais mettre mon portable, excusez-moi, c'est pas toujours évident de faire plusieurs choses en même temps. Et on va effectuer le traitement. On fait un traitement intelligent. Attendez. Voilà. Alors, faut que je remette mon gant, évidemment. Donc, guêpe germanique, insecte très piquant. En fait, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que là, elles ont fait un trou pour X raisons, carrément dans les combles. Donc là, j'ai fait une petite pulvérisation. Déjà, on va voir ce qui se passe. Voilà. Regardez si des insectes y sortent tout blanc. S'ils sortent tout blanc, c'est que le job il est fait. Vous avez vu, elles ont fait des trous vraiment partout, hein. Regardez ça, elles ont même fait un trou là. Donc là, on va tourner un tout petit peu le traitement de ce qu'il en est. C'est impressionnant, regardez ça, le nombre de cadavres. Il y en a partout. Voilà. Regardez ça. Traitement effectué. Un insecte tout blanc. Attention, guêpe germanique. La guêpe germanique est une espèce très utile. Mais bien sûr, chambre d'enfant. Donc je filme pas la maison parce que
Vous n'avez pas spécialement voir la maison et le client non plus. Il n'a pas spécialement envie de qu'on fasse visiter la maison. Et c'est pas mon cas. Faut rester dans la discrétion du client aussi. Mais voilà, juste pour vous montrer, entre ici le point d'entrée, ici le nombre de cadavres, ça vous laisse imaginer la population qu'il peut y avoir. Voilà, donc là on va attendre un petit peu à ce que le traitement se fasse, va s'effectuer, bien évidemment. Donc on va attendre que ça se contamine, un petit quart d'heure. Et à la suite de ça, le traitement sera terminé. Et en même temps, je vais passer un bon coup d'aspirateur parce qu'il y a des professionnels qui font l'intervention mais laissent le chantier en bazar. La moindre des choses, c'est que, voilà, on trouve un chantier propre, on le redonne toujours propre. Voilà. Allez, tout à l'heure, je vais faire une autre intervention en Charente-Maritime, cette fois-ci pour un nid de frelons sous des tuiles. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.